Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Fallout 4 Far Harbor. Donc chers amis, on peut tomber dans le trou. Non, on peut pas tomber. Bon. La dernière fois, nous avions amélioré tout ce qui était marinière, tout ça, etc. Idéo-acadien, changement de marée, aider la petite Bertha. Récupération de données, parler à Monsieur Nakano, chercher Howard Dunbar. Libre circulation. Howard. On va chez Howard, c'est parti. Est-ce que j'avais comme arme sur moi? Oh. C'est bizarre, je viens de remettre 5 cartouches. Alors que j'en avais déjà une dedans en fait, ça qui est bizarre. Ok, bon bah allons-y en ligne droite, hein. C'est pas bien compliqué. Howard! Oh merde! Ça pue un peu, je me rappelle pas son histoire, mais je crois que c'est lui qui était censé être mort à cause des... À cause des commandes, des fameux fongeux, je crois, justement. Hop les, ça touche. Nous, un fongeux légendaire qui rapporte que 11 points d'expérience, c'est rageant. Bon. On dirait qu'Howard n'a pas survécu. Ah oui, il devait réalimenter le truc de... Oui, les condenseurs de brouillard. Composants de condenseurs, d'accord, c'est joli, dis donc. Bon, bah, je récupère tout ça. Ce bonhomme là, attendez, non, ça je veux pas l'ouvrir. Est-ce que je peux te... Voilà, merci, viens avec moi. Viens avec moi. Tu vas m'aider moralement, Fonta, parce que c'est Fonta. Hein. On va le planquer par là, comme ça il va pas trop se faire bouffer normalement. Voilà, dors bien. Fais de beaux rêves, réparé. Ok, 56 mètres par là, pourquoi pas. Allons-y. Alors comme je l'ai déjà dit précédemment, je vais finaliser cette série un petit peu de manière brutale à partir du 28 normalement. Enfin, on verra bien suivant ce que vous en pensez, chers amis, bien sûr. Mais oui, voilà, il y a des risques que cette série se termine brutalement jusqu'à l'arrivée d'un nouveau DLC s'il y en a. Et croyez-moi, j'espère qu'il en aura vu le prix qu'ils vous ont fait payer le... Season Pass, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok. Et donc, maintenant? Retournez voir le capitaine, tout ça, comme si de rien n'était, d'accord, ok, bah pourquoi pas, écoute. On a un bon flingue en plus. Oula, non, je veux pas voir ça. Hop, voilà. Je voulais sprinter et couper ma lumière en même temps, mais apparemment le jeu a dit non, va t'afficher le hub. Ok, si tu veux. Why not? Pourquoi pas? Je vais juste regarder, chers amis. Hop, ça au passage. Ok, voilà l'horaire. Comme ça, je saurai à peu près quelle durée va faire l'épisode. Vu que j'ai commencé à prendre de l'avance dans mes vidéos, tout simplement. Pour la quinzaine de jours où je serai absent, peut-être que je refasse une vidéo à ce sujet-là. Aux alentours de la mi-juin. Je sais pas quand est-ce que vous aurez celle-ci d'ailleurs. C'est par là, oui. Oui, c'est par là, c'est bon, je reconnais l'endroit. Ok, par contre, niveau point de. Niveau munitions, on est à sec avec le P99. Oh la gueule. Hop, Avery. Lumière. Ah oui, c'est vrai. Avery, lumière, voilà, c'est bon. Épouse pas le citoyen, mais t'as rien. J'ai remis les condenseurs de brouillard en marche. Parfait. Nos réserves d'eau commençaient à baisser dangereusement. On n'aurait sûrement pas tenu très longtemps. Vous avez retrouvé Howard? Dévoré par les fongeux. Il n'a pas survécu. Est-ce qu'il avait de la famille? Est-ce qu'il avait de la famille? Si c'est le cas, vous devriez les prévenir. Je n'aurais jamais dû l'envoyer là-bas tout seul. Effectivement. Bref, je vous avais parlé d'une rémunération. Je pense que 200 capsules suffiront. Oui, merci. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Vous avez déjà croisé la marinière? Elle cherche toujours de l'aide. Il me semble que Cassie Dalton cherchait quelqu'un, mais... Enfin, vous verrez bien. D'accord. Merci. Merci. C'était un plaisir de vous aider. Tout le plaisir était pour moi. Voilà votre paix.
Je dois m'occuper des funérailles d'Howard. Alors, je vous laisse. Bonne journée. Hop, level up, tiens non. Écoutez, on va remettre des points là-dedans. Et le niveau suivant, ce sera sympa. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça c'est fait. Et donc on avait la petite Betty, la petite Bertha. Petite Bertha, apparemment elle est à l'extérieur. Ok. Bonjour. Salut toi. Monsieur, il faut que je vous parle. J'ai 14 capsules et demie. Je veux vous engager. Je vais t'aider gratuitement, petite. Je veux bien t'aider, petite. Mais je vais pas te prendre tes capsules. C'est vrai ce qu'on dit sur vous. Mais si vous m'aidez, je vous paie. C'est normal. Oula, elle me fait peur celle-là. Habiter sur ce quai, c'est pas une vie. Si on continue comme ça, on va y passer les uns après les autres. C'est pas faux. Si on veut améliorer les choses, si on veut devenir plus fort, c'est des terres qu'il nous faut. Il y a des lignes électriques qui relient la Syrie d'Ecolec au vieux parc éolien. Si vous arrivez à faire le ménage dans cette zone, les gens d'Arbor pourraient brancher les condenseurs et nous débarrasser du brouillard. Tu es surprenante. C'est des affaires de grandes personnes, tout ça. Le brouillard tue tout le monde, même les enfants. Oh là là, elle est géniale. La récompense est nulle. Mais si vous donnez une nouvelle vie à mes amis, ils feront n'importe quoi pour vous. Ils auraient une sacrée tête envers vous. Hop, le nom de l'épisode, je l'ai trouvé. Super Bertha. C'est la classe, c'est un nom de super-héros. Ok, bon bah y'a du boulot, hein. Repousser le brouillard. Sécuriser la Syrie d'Echo Lake. C'est parti. La Syrie, c'est pas là où on a été chercher le bonhomme, là, le fameux bonhomme. Je voulais voir aussi, il n'y en a pas un d'entre vous qui a des munitions pour le P99 Allez. Là. Vous avez besoin d'un peu de puissance? Ouais, s'il te plaît, troqué. Vous avez. Ça marche. Allen, munitions, boulet de canon, calibre 45-70, ça doit être ça que j'ai. Oh la vache, ça coûte la peau du cul. Ok. Ah puis j'ai rien sur moi pour le... Trois steelboys, ça sert à rien ça. Du vin, de la vodka, du whisky. Ah non, j'ai rien. J'ai rien. Bon bah tant pis. On va devoir jouer avec autre chose, chers amis, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, on va aller par là. C'est où? Appa et hameçon de Brainy. Écoutez, on va aller là-bas. Cette arme est vraiment épique, hein, par contre. Le canon long est complètement épique, j'avais pas fait gaffe. Faudrait que je voie pour lui mettre ce canon-là. Je crois pas que j'ai celui-ci, moi. Regardez vite fait. Non, je crois que je l'ai pas mise actuellement en favori. Oh putain, on va se taper l'orage à la con. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, ah oui, je m'en rappelle, je suis jamais allé là. J'aurais dû, mais je suis jamais allé. Effectivement, c'est ma faute. Bonjour. Ok, il y a de la goule. Est-ce que j'avais mis une arme de corps à corps en commande? Si je l'avais mise, elle y était. Défonce barrière, ouais, ça pourrait être sympa. On a besoin d'une lance-roquette de toute façon. Hop. Ici. Aïe. Boum. Goule des brumes. Boum. Allez, voilà. Oula. Légendaire. Boum. 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 Et le bras, et le bras, et la tête, et la tête. Alouette, gentil alouette. Alouette, je te plumerai. Putain, j'ai raté. Ça va, Canigou? Je te plumerai la tête. Ah la vache, elle s'est arrêtée. Je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Alouette, alouette. Où est-ce qu'elle est, sa jolie petite tête? Oh merde, je l'ai pas vue, elle. Elle est complètement cramée, hein.
Bouffe. 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 Elle est complètement coincée entre Canigou et moi. C'est magique. Et boum. Je crois que ça fait plusieurs fois que je tape dans Canigou en fait. Tiens Canigou, bouffe un steam pack. Faire du bien. Crac. Alors où sont-elles? Oh, des steam packs. Avancez. Ah ah. Crac, du premier coup, je suis trop fort. Je suis trop balèze. Attendez, c'est pas Canigou qui m'en veut. Ce serait dommage. Hop, bonjour. Crac. Non, c'est pas Canigou qui m'en veut. Boum. Critique. Ah bah non, je l'ai pas réussi. Et boum. Oh, ça l'a pas tué. Et la tête. Et la tête. Oh, mais merde, t'en prends plein la gueule, Canigou, c'est pas possible. Mais tu vas te remettre, oh, ça laisse de te plaindre. Eh, viens voir papa. Et boum. La deuxième, boum. Et la troisième. Canigou, tu te remets? Difficilement. Le moissonneur, voilà autre chose. Ok, cool. Une légendaire comme ça apparemment. Qui sort de nulle part. Par contre je suis lourd. Lourd, lourd, lourd. Cagoule de chasseur. Capuche de drogue de doctrinaire. Légende. Qu'est-ce que... D'accord. C'est quoi tous ces trucs? C'est d'un style cette cagoule. Attendez, j'ai un masque sur moi. Est-ce que je peux porter la cagoule et garder le masque devant? Merde, j'ai pas le temps de voir. Non, malheureusement non. Dommage. Vraiment dommage. Capuche de doctrinaire, ça c'est tellement magique comme truc. Ok. Canigou, je suis full. Hop, voilà. Et donc la Siri, c'est par où? Est-ce qu'elle est safe la Siri ou pas? Apparemment non. Alors, c'est une Siri, mais apparemment je dois pouvoir rentrer dedans ou pas. Non, pas par là apparemment. Elle est pas un danger. Ah. Aïe. La voilà. Et boum. Ah, c'est ça, tiens, ça me donne une idée. Pam 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 pam. Bam. Et le bras. Et le bras. Il en reste trois. Non, pas celui-là. Boum, 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 boum. Ah, j'ai raté. Ah, je l'ai encore raté. Boum. Ah merde. Mais merde, la tête. Oh, mais idandine. De la tête. Mais merde. Voilà, et la tête. Et la tête. Et la tête. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai. Je te plumerai la tête. Et la tête. Et la tête. Alouette. Oh bah fait peur celle-là. Bon, c'était un petit peu craqué. Je le reconnais.
Ok, apparemment, c'est sécurisé. Donc la suite de la quête, retournez voir la petite Bertha, d'accord? Pourquoi pas? La petite Bertha, allons-y. Dormir dans un lit aux côtés du compagnon auquel vous avez la grande amie amoureuse. Enfin, la petite étreinte amoureuse qui augmente considérablement le paiement d'expérience que vous gagnez pendant un temps limité. Oui, bon, on avait bien remarqué, hein. On avait bien remarqué. Alors, le joli lit. Cette île ne me fait pas peur. Je pourrais tout endurer. Oui, et moi, tu m'endureras. Parce que je suis extrêmement endurant. Oui, non, on va voir ailleurs avec ces yeux-là, j'aime pas ça. Un nouvel habitant de Far Harbor quitte l'île. Ok, par contre, juste... Brooks, vous savez, salut. Quand je me sens un peu à plat... Ou alors, attendez, d'abord, ce que je vais faire, c'est ça. C'est que je vais aller là. Hop, je transfère tout, voilà. Tout le bordel que j'avais, il est arrivé dessus. Moi, il faudra que je prenne un Radaway. Ok, ça devrait être suffisant normalement. Non, il me faut encore un tout petit peu de régène. Parfait, c'est bon, on est bon. D'après la légende familiale, on viendrait du Yorkshire. Petite! Je sais pas exactement où ça se situe. Il y a une lettre. Dernier mot de maman. What the fuck? Marc, le brouillard a envahi Far Harbor aussi. Il n'y a que les quais qui sont épargnés. La marinière voulait chasser tout le monde, mais Avril en a empêché. Tante Candace est partie pour le continent. Sa maison est complètement recouverte de brouillard. Les mauvaises nouvelles succèdent en ce moment. Je vais aller voir l'un des Dalton pour demander s'ils ont besoin de main-d'œuvre. Je devrais rentrer dans 2 semaines. Embrasse les enfants pour moi et dis-leur bien de ne pas s'approcher du brouillard. Affectueusement, Peggy. Dal, peut-être. C'est chaud ça. Pauvre petite. Pauvre petit. On compte sur vous. On n'a nulle part où aller. J'ai sécurisé la Syrie. Il faut qu'on aille voir le capitaine. Voici votre salaire. Merci. Que vous le vouliez ou non, il y a de plus en plus de gens qui s'en vont. Vous venez du Commonwealth. Mais maintenant qu'on a des terres à nous, ils vont revenir. Mais j'aimerais essayer un truc, chers amis. C'est quoi un synthétique ? Vous allez voir. Vous allez je peux pas. À Cassie Dalton ? Je voulais la fouiller pour lui remettre les 14. Honnêtement, je voulais la fouiller pour lui mettre les 14. Les enfants ne croiront jamais les histoires sur vous. Vous trouverez votre bonheur. Tu vas y arriver, c'est là-bas qu'elle habite, hein. Oh merde. Oh, ça m'inquiète, pas la marinière. Ah. Sans armes, vous ferez pas de vieux os ici. Note de consultation. Mathieu refuse d'aller jusqu'à votre île maintenant. Dites-moi si cette lettre vous parvient jusqu'à avoir, sans avoir été ouverte. Je ne fais pas confiance à cette nouvelle dame. J'aimerais avoir de meilleures nouvelles, mais votre évaluation de la patiente est correcte. Mes recherches d'un archive de l'université m'ont appris même que l'ancien monde n'avait pas de solution aux problèmes rencontrés. Ils étaient toujours loin des essais cliniques. Je ne contente que notre ami en commun ait de meilleures nouvelles. Encore une fois, je regrette. Tout va bien de votre côté. On voit passer beaucoup d'habitants de l'île. Racontent des histoires inquiétantes. Si jamais vous souhaitez partir, mes amis et moi vous accueillerons à bras ouverts. Si la situation empire, partez ou prévenez-nous. Bedin. Quelle est mienne ? Nourriture, steam pack, j'ai tout ce qu'il vous faut. Honnêtement, je pensais qu'il allait y avoir un. Bertha. Pardon, madame ? On n'a pas le temps de s'occuper de toi, petite. La Syrie des collègues est sans danger maintenant. On peut y retourner. Oh. Gratuitement. Ouais. Et pour 14 capsules, pas une de moins. Eh, vous étiez d'accord. Vous pouvez plus reculer maintenant. On peut plus rester sur les quais, capitaine. Si vous voulez bien nous donner des condenseurs de brouillard d'Acadia, mes amis sont prêts à aller s'installer dans la Syrie. Il ne suffit pas de chasser le brouillard pour survivre, Bertha. Il faut qu'on reste ensemble. Mais ça marche pas. On n'arrive à rien ici. Les gens d'Arbor ont besoin de leur propre terre. Quelque chose à conserver et protéger. Je me suis trompé sur toi. Pardon ? Pas toi. Elle. Bertha connaît mieux cette île que toi, Avery. Si on leur donne des condenseurs, du matériel et une chance d'organiser leur défense, on survivra sans souci. On pourrait même prospérer, moi je dis. Oh, il est bien celui-là. Le jeu envoie la chandelle. À peine quelques condenseurs, vous leur donnez une nouvelle raison d'espérer. Ça vaut le coup, je trouve. Et ouais. Puis même s'ils n'y arrivent pas, au moins, ils mourront la tête haute. Donne-leur les condenseurs de brouillard, Avery. Viens, Bertha. Vous devriez aller faire un tour du côté des collègues. Les amis de Bertha seront sûrement contents de vous voir. Et puis tenez, prenez ça. Vous commencez à m'impressionner sérieusement. J'espère que Far Harbor n'est pas trop dur. Essaie de garder tes sous pour essayer de sauver la marinière plutôt, toi. Hein ?
du travail. Vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'un coup de main? Vous pouvez essayer de demander à Mitch au grand mât. Certaines personnes ont peut-être besoin d'aide sur les quais aussi. On les appelle les rebuts. Ouais, c'est violent ça. Ok, merci. Hop, on y va. Alors, une nouvelle quête terminée. Parlez au capitaine Avery. Merde. Bonjour. Avery. C'est difficile à croire, mais avant que vous n'arriviez, tout espoir semblait perdu. Mm-hmm. Maintenant, nous avons repris nos foyers. Les gens se réunissent enfin. Et tout ça, grâce à vous. Eh ouais. Être modeste. Vous m'accordez trop de mérite. Loin de là. Avec tout ce que vous avez fait, notamment la danse du capitaine, je vous assure qu'on se souviendra de vous pendant des générations. Tant mieux, je suis le maître de l'île. Ils sont mobilés par leurs propres problèmes qu'ils n'ont même pas réalisé que vous nous avez sauvés. Vous nous avez tous sauvés. Eh ouais, quoi je que sais. Je fasse, ce ne sera jamais suffisant pour ouh, vous remercier. On peut encore trouver. Prenez ça. Oh merde. Merci. Dommage. What the fuck? Tenue de plongeur secouriste. Oh la gueule. D'accord. D'accord, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux juste aller voir comment qu'on peut la moder et à quoi ça ressemble si on la mode. Qui a le cran de tenir tête aux enfants d'Atome. Alors déjà ça. D'accord, c'est juste le... Ok. Exterminator, d'accord. Et Diver Suite, d'accord. C'est aussi là, c'est juste le mode assassin, d'accord. Ok, pourquoi pas. Ne laissez enfin, pas le mode... pardon, le mode légendaire. Achetez mes armes. Ok. Près de chez moi, robot Onega, gna. D'accord, bon bah on a fait toutes les quêtes, on va juste quand même retourner voir Mitch. On verra bien s'il a quelque chose à nous dire. Vis-à-vis de son oncle. L'oncle Ken. L'oncle Ken. Beaucoup pour votre aide précieuse. Qu'est-ce qu'il y a, papy? De mon temps, tout le monde faisait la danse du capitaine. Deux, peut-être trois fois par an. Alors vous faites pas d'idée. Tu le vois, ce gun? Tu le vois, ce gun? Est-ce que je peux le pacifier? Bref. Mitch ne vous le dira pas, mais merci. Mitch. Salut, Mitch. Une petite mousse ou un lit pour la nuit? Le brouillard? C'est pas spécial, le brouillard, ça m'intéresse pas. Vous le sentez pas? Même... Non, je veux pas t'entendre causer pour ça, ça sert à rien. Les enfants d'Atome peuvent avoir... Oh là là, il me saoule l'oncle Ken. Oh! On va aller voir à Echo Lake. Je suis sûr qu'on sera mieux accueilli. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est mon truc, d'accord. Retirer marqueur. Et une fois qu'on sera allé à Echo Lake, on va aller voir le grand confesseur, le fameux nouveau grand confesseur un petit peu robotique. Voir ce qu'il a à nous dire. Ouais. Vraiment sympa, hein. Vraiment sympa visuellement cette arme. Alors, effectivement, il y a de la vie. J'ai appris quelque chose d'intéressant. Un Bernard l'ermite géant a été repéré dans les environs. Ce serait très dangereux de le laisser rôder par ici. Et ce serait la plus grosse prise de cette île si on arrivait à l'abattre. C'est parti. Ça fait plaisir à entendre. Je vais chercher les autres et on se retrouve là-bas. Ok. C'est le moment de partir à la chasse au crabe. Ah, c'est stylé ça. Où donc? Oh, c'est loin. C'est au niveau de la carrière, t'es débile. Je vais l'avoir abattu en 3 balles. Peut-être pas quand même. Je sens qu'il va être balèze. Des balèzes. Il est joli ce petit fusil au radium, il empêche. Hein. Dommage qu'on puisse pas enlever la petite saloperie autour là, des radiations. C'est vraiment dommage. Bon. Hé l'ami. Tu aimes ça toi, manger des patates? Ok, allons-y. Le v'là, il est là. Regardez. Je suis sûr que c'est celui-là.
Non ? Bon bah alors là je suis vexé. Ah non, il est juste de l'autre côté là. Hop les. Comment ça, albinos ? Comment ça, albinos ? Oula ! Comment ça, albinos ? Viens voir, pap. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a eu qui a déclenché ça ? Ah, il y a des petits ! Il y a les tout petits ! Et je boum ! Aïe ! Attendez, 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 il doit avoir un point faible. Vache, il recrache, je sais saloperie. Je sais quoi prendre. Je sais quoi prendre pour ces petites saloperies. Hop les. Crac. Tiens, bouffe. Tiens, bouffe. Bouffe. Aïe. Oh la vache. Ce qui m'a mis. Allez. Hop, dégage. Ah putain. Hop, dégage. Merde. Va te calmer. La petite balle. Et merde. Kenigou. Pas toi. C'est bon, on l'a eu. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Mais je vous ai rien fait à vous. Dégage. Où il est l'autre? Arrêtez de taper Kenigou. Mine cryo, d'accord. Rien d'autre. Qu'est-ce que tu me chies? Ah mais merde. Hop, voilà, problème résolu. Tiens Kenigou, remets-toi dans le vent. C'est pas grave. Il en reste un pourtant. Bien joué Kenigou. Bien joué, bien joué. Bon, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. On va aller vite fait voir ce... ce trou du cul. Voilà. Hop. Les enfants d'Atome pensent que le brouillard radioactif est un cadeau d'Atome qui finira par purifier l'île. Oui, oui. Je le crois aussi. Mais moi, je vais la purifier complètement, l'île, si ça continue avec leur connerie. En tout cas, je vais purifier l'île de leur présence, si ça finit comme ça. Yo. La grande fragmentation est en marche. Sans commentaire. Sans fucking commentaire. Bon. Bon, bon, bon. Et on va se prendre une petite douche en rentrant. Venez à moi, mes frères et mes sœurs. Venez écouter sa parole. Eh merde, ça marche pas. Qu'est-ce que tu vas chanter encore? Je t'écoute. La paix. J'ai eu une vision flamboyante. Il m'a parlé. Je lui obéis. Atome exige la paix. Avec Far Harbor. Avec Acadia. Et au sein de notre famille.
Et quiconque désobéira à Atom devra répondre de ses crimes. Malheur. Je sais pas comment il fait. Respectera pas sa rage. Regardez sa bouche. Gloire à Atom. Gloire à Atom. Rejetez les hérétiques, les imposteurs, les profanateurs. Seul Atom pourra vous sauver. Ok, bon, pied de discussion avec le chef. Grand Manitou. Grand confesseur. Vous, je le savais. Je savais que c'était vous. Dans ma vision, là, aux côtés de notre radiant. Eh ouais, c'est moi. C'est pour vous. Il est normal que cela vous revienne. Me donne pas ton vous chapeau. Qui avez gagné les faveurs. Me donne pas ton chapeau, s'il te plaît. Pas ton chapeau. Oh putain, j'ai eu peur. Les radiations améliorent la résistance aux dégâts et à l'énergie. C'est complètement craqué. Cool. Cool, cool, cool. Génial. Hop. On va juste aller regarder un petit truc, chers amis. Je suis curieux. Ça va être par là. Hop. Et râpé. On a failli se suicider. C'est cool. Oui, on a failli une deuxième fois se suicider aussi. C'est de mieux en mieux. Le suicide fait partie de nous. Ça y est. Nous sommes suicidaires. Ne faites pas ça chez vous. Ok. C'est bon. On est revenu. Je passe par là. On a quelqu'un qui a de quoi réparer les armures dans le coin, non? Oh, c'est pas la forme, toi. Non, t'as pas ça? Ah. Avec Phare Arbor. Armor, parfait. Si c'est la volonté d'Atom. Alors, armure des dévots. D'accord, c'est le niveau au-dessus, il n'y a pas de... Il y a les poches, il y a le... D'accord, ok, le légendaire. Ok, dommage, je pensais qu'il y avait un truc d'amélioration ou n'importe quoi. Ok, ok. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là du coup pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, ne pas trop dire d'un abonné dans la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo.